Dis-moi, est-ce que tu sais comment signifie ta vie? De quoi tu parles? Moi, j'ai eu. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'étais jeune, quand je m'étais perdu sur la terre, j'ai trouvé un petit jardin. Je n'avais pas beaucoup d'entrailles d'autrefois, mais j'étais étonné quand je suis arrivé. Il y avait plusieurs des fleurs qui ressemblaient les bonbons. Je me suis demandé si toutes les fleurs sur la terre habitaient là. Puis, j'ai demandé à un petit ami si elle était toute. Sa réponse était que ce fleur-là n'était qu'une petite pièce de toutes les fleurs sur la terre. Et qu'il y avait même plus beaucoup de gens sur la planète aussi, peut-être 7 billions. Sa raison m'a étonné. Beaucoup de fleurs autour de moi, et elle faisait seulement une petite part de toutes les fleurs sur la terre. Je me suis souvenu de ma fleur qui habitait chez moi. Non seulement était-lui juste une fleur sur les 1000 fleurs dans le jardin, mais le jardin n'était qu'une goutte dans un océan plein de fleurs. Et combien de gens c'était plus. J'avais cru que ma fleur, je m'avais cru être une personne spéciale dans l'univers jusqu'à ce moment-là. Je jouissais d'être avec mes amis et surtout, j'ai réalisé qu'il n'est pas comme ça. Les choses qui restaient chez moi de quoi que j'avais cru être les plus uniques, ils ont pu se trouver dans toutes les places dans l'univers. Ils étaient les occurrences normales. Quand j'ai su cela, j'ai trouvé que mes environs ont commencé à perdre leur couleur. Se brosser les dents et se coucher, se réveiller et déjeuner. Tout le monde fait ces choses partout. Quand j'ai réalisé cela, chaque chose a commencé à me sembler ennuyeuse. Et si, s'il y a si beaucoup de gens et de fleurs dans l'univers, il y doit être quelqu'un en vivant une existence intéressante qui n'est pas normale. J'en étais sûr de cela. Pourquoi est-ce que cette personne n'était pas moi? Ça, c'était tout que je peux te penser. Jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Dans le procès, j'avais réalisé quelque chose. Rien en maison ne se passera pas sans rester en attendant. Donc, j'ai cru que je me change quand j'ai décidé de rester ici. Permet le monde savoir que je ne suis pas un garçon quand on m'a fait rester d'autres endroits. Donc, je me suis conduit en conséquence. À la fin, rien ne s'est passé jamais. Avant que je l'ai su, je suis entré au lycée. Je croyais que quelque chose se soit changé. Je ne l'ai compris pas bien, mais je sais que ça m'a fait un peu mélancolique. Tu dois t'en aller. Alors, à plus.